Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, une question d'examinateur ou une question intime. Pouvez-vous me donner des matrices symétriques non diagonalisables? Alors juste le temps de se remettre de la question. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, on n'est pas sur R. Ben oui, R n'est pas un acquis social, parce que sur R, il n'y en a pas. Donc déjà, on oublie R. Mais on remarque que les étudiants, les candidats, même à la grègue, même à l'externe, bon, à l'interne, oui, ça c'est souvent, mais à l'externe, un peu plus rarement, mais quand même il y en a, a priori, quand on leur demande une matrice, c'est sur R. Pour eux, voilà quoi, R fait partie des droits du citoyen. Non, R c'est pas gagné d'avance, et donc ici, assez rapidement, il faut balayer R, parce qu'on ne va pas en trouver, puisque toute matrice réelle est diagonalisable. Bien, donc on va commencer par penser à d'autres corps. Quels sont les corps que l'on connaît? Ben, y a le premier, c'est C. Après, ben, on va avoir FP, c'est-à-dire Z sur PZ, ou ses extensions FQ, Q c'est une puissance d'un nombre premier P. Après, ben, on peut penser quand même à Q, pas oublier quand même, le corps est rationnel. Et puis ensuite, ben, on peut se dire, ben, tiens, R, oui, peut-être on va regarder le corps des fractions rationnelles d'un déterminé X à une indéterminée sur R et voir ce que ça va donner. Bon, alors, on va regarder ça. Le premier sur C, eh bien, vous avez un I, je vais l'appeler A, égale 1 I. I moins 1, d'accord. Elle a une trace nulle, son déterminant est nul aussi, donc son polynôme caractéristique, c'est x2, c'est-à-dire que a2 égale 0, voilà, vous pouvez le vérifier aussi comme ça, sans faire comme ça, et à partir de ce moment-là, si elle était nilpotente et diagonalisable, d'après l'unicité de Dunford, elle serait nulle, donc c'est pas possible. Bon, l'unicité de Dunford ou d'autres méthodes, hein, je dis pas qu'il n'y a qu'une seule méthode pour montrer ça, mais diagonalisable et nilpotent, en fait, c'est une matrice nulle. Donc, A n'étant pas nulle, eh bien, elle n'est pas diagonalisable. Voilà. OK. Ici, on a sur Z sur PZ, bah, c'est assez simple. Vous prenez ces matrices, l'idée, c'est de prendre la matrice avec que des 1 dans NP de Z sur PZ, voilà. Bon, bah, pareil, sa trace va être nulle, son déterminant nul, et tous les coefficients du polynôme caractéristique vont être nuls, mais le mieux, c'est juste de constater que, étant donné que la ligne 1, 1, 1 fois la colonne, quand on la multiplie à la colonne 1, 1, 1, bah, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, P fois, ça fait 0, et bien, ça va nous faire que notre matrice A, ici, encore, une fois, elle va vérifier que A2 égale 0, donc nilpotent, et donc non diagonalisable, parce qu'elle est non nulle. On n'est pas en caractéristique 1, on n'est pas dans le monde merveilleux des logiciens. Q maintenant. Ici, là, c'est un peu plus compliqué, parce que Q s'injecte dans R, donc forcément une matrice à coefficient dans Q, elle va être à coefficient dans R, donc elle est diagonalisable, mais il suffit de voir qu'elle n'est pas diagonalisable sur Q, parce que de toute façon, elle le sera sur R. On va prendre par exemple, donc on va prendre quelque chose de trace nulle, mais mon nilpotent, ici, on ne risque pas d'avoir ce problème de nilpotence. Hein. Alors, ici, on verra pourquoi, hein, si vous ne le voyez pas là maintenant. Ici, le polynôme caractéristique, qui s'appelle encore A, le polynôme caractéristique de A, ça va être x2 moins, et bien, vous avez moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Voilà, le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur Q, donc ce n'est pas diagonalisable. Mais vous voyez que ici, cette matrice-là, si on prend une extension, elle ne sera jamais diagonalisable puisqu'elle est nilpotente. D'accord ? Donc ça, elle restera nilpotente dans n'importe quelle extension de FP. Et ici, bon, bah,
faudrait une extension infinie, hein. Il n'y a pas d'extension finie de C, mais là c'est pareil. Donc ici, on a un problème qui est irrésoluble, alors que là, c'est un problème qui est résoluble modulo extension évidemment. D'accord. Donc dans R, ça va marcher, mais dans Q, strictement parlant, ça ne marche pas. Voilà, alors maintenant, R de X, roulement de tambour, parce que quand même là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais prendre une matrice A égale, je vais prendre RIJ. Donc ça, c'est des fractions rationnelles, hein, avec un numérateur, un dénominateur. On peut les supposer, si c'est bon pour l'esprit, on peut les supposer comme entre eux, hein, comme ce soit réductible. Bon, la fraction, c'est réductible. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être un corps que j'appelle K, et je vais regarder L, donc il va y avoir un polynôme caractéristique qui A, d'accord, qu'il faut imaginer en Y, hein, d'accord, voilà, on ne peut pas reprendre cette variable-là, c'est indéterminé. Alors là, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais juste imaginez quand vous êtes sur Q, ben, vous allez ici trouver une extension sur R où le polynôme est scindé. Bon, ben là c'est pareil, on va trouver une extension, on peut toujours trouver une extension sur laquelle, une extension même minimale, sur laquelle ce polynôme est scindé. Donc ça, il va contenir K, c'est un corps, et ce corps, c'est ce qu'on appelle le corps de décomposition de phi A. Il va avoir les bonnes propriétés d'être engendré sur K par toutes les racines, alpha 1 jusqu'à alpha n, qui est n racines, de Kia. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, regardez Kia, hein, maintenant il est scindé, donc il est intéressant de voir A comme matrice de ML de L. D'accord. Et là, Kia est scindé. C'est fait. Comme Kia est scindé, on va pouvoir écrire la décomposition de donne forme. Voilà. Et maintenant, A est symétrique. Alors, vous devez savoir que dans la décomposition de donne forme, D et N sont des polynômes en A. Qui sont obtenus, hein, à partir des... donc c'est D, hein, d'accord, c'est quoi? C'est la somme pour les alpha I fois pi I, les projecteurs spectraux correspondant à alpha I. Voilà, I de 1 à N. Voilà, et puis N, ben, c'est A moins D. Donc ça, comme c'est polynomial, ça les projecteurs spectraux par bezou, hein, c'est polynomial. N égale A moins D, ça va être polynomial aussi. Bien. Donc, ça va faire que N, comme c'est un polynôme en A, bon, ça veut dire P de A, est symétrique aussi. Ben oui, puisque quand on va prendre la transposée de N, ça fait la transposée de P de A, mais ça commute avec la transposée commute avec le polynôme. Donc ici, on va avoir P de transposée de A, mais comme A est symétrique, évidemment, eh bien, ça fait P de A. Donc N est symétrique aussi. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est que P est un polynôme à coefficient dans K de X. C'est-à-dire, au départ, il était, là quand on regarde, hein, là, ces polynômes-là, ils ont l'air, manifestement, d'être dans L. Bon, d'accord, donc dans le grand corps. Mais en fait, ils sont dans K. Alors maintenant, regardez, on remarque que P, qui est dans, a priori dans L de Y, je ne peux pas prendre de X, hein, c'est déjà pris, en fait, P appartient à K de Y. Il est un coefficient dans K. Alors pourquoi? Ben écoutez, c'est simple, hein, dès qu'on veut qu'un polynôme ait des racines, on doit monter. D'accord? On doit monter d'un petit corps vers un plus grand corps, comme ici, Q vers R. Okay. Et des fois de R vers C. Bien. Mais maintenant,
Quand on veut descendre de L vers K, bah, tout de suite, on pense au mot, alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas l'entendre, mais je vais le dire quand même, mais Galois. Hein, d'accord. Donc, c'est qu'est-ce que c'est qu'un polynôme de L de Y qui est en fait dans K de Y? C'est un polynôme de L de Y qui est invariant par le groupe de Galois, invariant par les automorphismes de L qui laisse fixe K. Bon, par exemple C, on a Z dans C, à quelles conditions Z est réel? Ben, si Z bar égale Z, donc s'il est invariant par le groupe de Galois de C sur R, c'est-à-dire identité, identité c'est pas un problème, et bar, voilà, c'est tout. Donc, maintenant, ben, vous voyez que, en fait, quand vous allez prendre ce polynôme, déjà, je prends si j'arrive à montrer que le polynôme, ici, D égale Q de A, Q, c'est la somme des alpha i et i, et ben, vous voyez bien que, quand je vais prendre, alors, il faut quand même vérifier l'hypothèse de Galois, c'est-à-dire, il faut être dans une extension galoisienne. Ben, c'est une extension normale parce qu'elle est engendrée par les racines, c'est ça la définition hein, d'un polynôme, c'est presque la définition. Et est-ce qu'elle est séparable? Ben oui, parce qu'on est sur R, donc caractéristique 0, donc tranquillou bidou, on est séparable. Donc on a une extension galoisienne, on peut appliquer les théorèmes de descente de Galois qui nous permettent de descendre, d'atterrir en douceur de R à K. Donc il suffit de voir que Q, si on prend un automorphisme, donc c'est un automorphisme de L sur K, et on va l'appliquer à Q. Alors comment on l'applique? Ben, comme c'est un automorphisme de L, il s'applique au coefficient de Q, et l'image de Q par sigma, ça va être le polynôme, dont les coefficients sont tous transformés par sigma. Mais là, c'est facile de voir qu'ici, ça va être sigma, la somme de sigma de alpha i. Et si j'appelle ici alpha i, qui correspond plutôt pi alpha i, ben, sigma de pi alpha i, c'est facile de voir, c'est pi de sigma de alpha i. D'après, en quelque sorte, une certaine écriture de Bezout qui va être invariante. Je vous laisse regarder cette partie-là. Elle n'est pas trop difficile quand on connaît un petit peu les galoiseries. Voilà. Donc, ici, on n'a fait que permuter des éléments de la somme, puisque si alpha i est une racine de qui a, alors sigma de alpha i, forcément, c'est aussi une racine de qui a. Donc, ça, c'est égal à q, ce qui fait que q, eh bien, il est... Galois invariant, donc il est un coefficient dans K, donc P est un coefficient dans K. Voilà, très bien. Ce qui veut dire finalement qu'on est sur R de X maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? On peut dire que N, c'est une matrice symétrique. D'accord? Comme on vient de voir que P est réel, c'est une matrice symétrique réelle, réelle sur K, hein, réelle R de X. Donc elle a un coefficient dans R de X. Bon, alors si N est égal à Rn ici de X, hein, donc ça c'est, on va avoir cette forme-là, elle est symétrique, eh bien je vais éviter juste les pôles des éléments, il y a un nombre fini hein, de pôles dans les Rij, et il me reste une infinité de réels, d'accord? Donc je vais évaluer en lambda n, donc ça va être n de lambda, et n de lambda, pour une infinité de réels, quelles vont être ses propriétés? N de lambda, cette fois-ci, c'est vraiment une matrice. Elle va rester symétrique et elle va être réelle. Et elle va rester nilpotente. Parce qu'elle était nilpotente déjà là, donc quand on l'évalue, elle va rester nilpotente.
Donc n est nul. Donc ça veut dire que n est nul, puisque tous les numérateurs de ces fractions rationnelles vont devoir s'annuler, voilà, pour une infinité de lambda. Donc un polynôme qui s'annule pour une infinité de valeurs, c'est un polynôme nul. Alors désolé, petit incident technique dans la salle où j'étais, donc retour au bercail, et je n'avais pas conclu, mais bon, la conclusion elle est simple. Vous prenez A, donc un coefficient dans K égale R de X, on va la prendre symétrique, donc là j'ai pris une qui me paraissait assez simple, donc je regarde le polynôme caractéristique, c'est Y2, moins la trace, ça fait X, donc Y, plus le déterminant, donc moins 1. Alors maintenant, je regarde le discriminant de ce binôme, ça fait X2 plus 4, et c'est pas un carré, hein, dans R de X. Bon, c'est assez simple à voir que comme R de X, l'anneau R de X est factoriel, si c'était un carré, alors ce serait le carré d'un polynôme et non pas d'une fraction rationnelle. Ça, c'est un truc à se rappeler d'ailleurs, c'est assez intéressant et ça peut servir. Donc ça, c'est la factorialité. Maintenant, si c'est un polynôme, bah, ce n'est pas possible non plus, parce que le polynôme il serait de la forme forcément ax plus b, avec a égale plus ou moins 1, b égale plus ou moins 2, et quand on fait tous les cas, on voit que ce n'est pas possible. Donc bref, le discriminant n'est pas un carré, donc qui n'a pas de racine dans R de x. Donc a est non diagonalisable, d'accord, puisque bah, le polynôme caractéristique n'est pas scindé, mais diagonalisable sur L, l'extension, d'accord, qu'on appelle le corps de décomposition de Kia, qui ici, bah, sur R de X, il suffit de rajouter une racine, parce que l'autre, elle y sera automatiquement. Donc je prends celle avec un bon, plus racine de X2 plus 4. Alors qu'est-ce que c'est que racine de X2 plus 4? Bah, tout est là. Il faut aller chercher une extension dans laquelle X2 plus 4 est justement un carré. On a fait pire, hein, on l'a fait avec moins 1. Alors, si on a fait pour moins 1, on peut le faire pour x2 plus 4. Voilà. Et ça, c'est diagonalisable sur L. On l'a vu, parce que, comme on avait un Dunford, A égale D plus N, et je le rappelle, D est un polynôme à coefficient dans R de X qui est appliqué à A, donc il est un coefficient dans R de X, N est un coefficient de R de X, N est symétrique, puisque c'est un polynôme en A, donc symétrique, et on a vu tout à l'heure que symétrique et un coefficient dans R de X, ça voulait dire N égale 0, parce que en évaluation, N est nul, pour toute évaluation permissible, et donc ça fait que A égale D, donc A est diagonalisable, mais dans une extension, voilà, et on a terminé, on peut conclure. Donc voilà, la question de jury, on a répondu, et si c'était une question intime, on y a répondu aussi. On a parcouru la plupart des corps à connaître quand on est voilà, dans le supérieur, en maths, quoi, voilà. Et surtout, hein, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais prendre comme acquis qu'on est sur R. Si on ne vous dit rien, a priori, c'est qu'on est sur un corps quelconque. En tout cas, en master. Je sais pas, en licence, peut-être. Oui. Faut voir. Allez, on s'arrête.